À et à tous. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un sujet que j'ai intitulé Le Grand Flou, qui consiste à savoir ce que coûte réellement l'immigration en France. Vous savez, c'est une chance pour la France. Donc, on commence à nous dire que l'immigration coûterait plus qu'elle ne rapporte. Cela semble évident, mais comme les chiffres sont soigneusement cachés, je vais vous faire part juste d'une petite découverte que j'ai faite. On a dans le, le solde, le budget de l'État français pour 2023 serait d'un total de 570 000, 60, 577 milliards et quelques. Ou bizarrement, alors ça c'est vraiment plus que bizarre, l'immigration est notée pour environ 2 milliards. Voilà. Donc par contre, on retrouve la solidarité, la chance etc pour 29 milliards. Mais ça c'est logique, c'est flou, d'où le nom de ma vidéo le grand flou. Alors qu'est-ce qu'on nous dit sur l'immigration? C'est intéressant que évidemment elle coûte très cher, elle coûte très cher pourquoi Parce que sur les migrants, on parle bien des migrants qui viennent de certains pays, donc on parle de l'Afrique, du, du Maghreb, etc. Ces migrants, la plupart, ne travaillent pas, donc ils coûtent cher. En plus, ils ont beaucoup d'enfants, des familles installées ont beaucoup d'enfants, donc ils ne travaillent toujours pas, donc ils coûtent cher aussi. Et on aurait, selon les sources, une dépense entre 57 milliards et plus de 100 milliards. Notez bien le, le grand flou encore sur le montant, hein, parce qu'on passe du simple au double comme ça. Or il apparaît que euh, euh, les dépenses, les dépenses, je les lis, hein, je les découvre comme vous. Euh, là, j'en ai pour 105 milliards. 20, 78. Donc, il y a le revenu de solidarité, pour 2,97 milliards. Il y a les pensions de retraite, de gens qui n'ont pas travaillé en France, pour plus de 25, mill, 25 milliards, oui. Il y a les accidents du travail pour plus de 2 milliards, hein, même euh, presque 3 milliards. Il y a la maladie pour 41 milliards. Oui, vous l'avez bien entendu. La famille pour presque 15 milliards. L'économie, on ne sait pas ce que c'est, pour presque 7 milliards. Fonds de solidarité vieillesse, qui va certainement avec la retraite pour presque 4 milliards. L'aide personnalisée au logement pour presque 3 milliards et finalement les allocations chômage pour presque 5 milliards. On arrive donc à 105,78 milliards. Ça, ce sont les dépenses. Alors, euh, les recettes, on ne sait pas trop d'où elles viennent. Hein. Et l'excédent le, est donc à la dépense qui coûte plus cher, c'est-à-dire ça coûte plus cher d'accueillir. Que de recueillir. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre Alors, on, en a. on aurait des coûts indirects de l'immigration pour 57,51 milliards. Alors, je vous les donne un peu. Code de structure, on ne sait pas ce que c'est. Coût de structure, 0,40 milliards. Coût régalien, régalien, ça ne veut rien dire. 13,63 milliards. Coûts sociétaux, moi, je dirais plutôt coûts sociaux, mais admettons sociétaux. 41,37 milliards. Coûts humanitaires. On ne sait pas ce que c'est. 1,93. Et enfin, coûts éducatifs. Alors là, c'est assez curieux. Euh, 180 millions. Alors, ils ne vont pas à l'école, je ne sais pas. Ça ne coûte rien. Voilà. Parce que si vous prenez le budget de l'école qui est vraiment important, eux... Il coûte rien c'est des gens vraiment ça valait le coup qu'ils viennent ici parce qu'ils coûtent rien à l'école et on est comme ça alors le coût de cette immigration est donc scandaleux énorme alors qu'on on ne met pas dedans je rappelle les réfugiés ukrainiens qui eux aussi sont pour quelques milliards parce qu'on les accueille comme des princes, ils auraient tort d'aller ailleurs, hein, franchement, puisqu'ici on leur donne un minimum garantie, un logement et accès à tout. Alors que vous avez, je rappelle toujours, plus de 10 millions de Français retraités qui vivent en dessous du seuil de pauvreté en France. Voilà. Et que j'ai vu, moi, sur des marchés, des gens ramasser de quoi manger. Hein, en France, au XXIe siècle. Donc, franchement. On nous prend pour des billes et ça fonctionne. Bon, Je dis ça comme ça. Alors, on a le projet de, de loi de finances qui donne les, les principales dépenses. Alors, la défense en premier avec 62 milliards, l'engagement financier de l'État, c'est-à-dire le financement de la dette, 53,5 milliards, et enfin recherche enseignement supérieur avec 31,1 milliards d'euros. Donc, ça vous donne une idée de ce que ça coûte. Alors le budget évidemment d'une année sur l'autre est en nette augmentation, il serait d'une augmentation de plus de 9,5 par rapport seulement aux dépenses prévues parce qu'un budget n'oubliez pas, ça se corrige après une fois qu'on a fait les dépenses, on s'aperçoit tiens qu'on a dépensé plus que ce qu'on avait prévu. C'est ça qui coûte cher dans un pays. Donc en réalité donc le total du budget fait bien 577 milliards et quelques millions. Et alors là, c'est toujours cette surprise de l'immigration qui est comptabilisée pour deux, deux milliards. Alors qu'on vient de vous démontrer qu'il y en avait pour plus de 100 milliards. Mais c'est pas grave, tout le monde s'en fout, c'est très bien ainsi. On va continuer comme ça, on va encore accueillir. N'oubliez pas que c'est quand même une chance pour la France, parce qu'on vous a quand même vendu. Hein. Je l'ai entendu plusieurs fois être dit par des gens de la macronie, du socialisme, des communistes, écologie. Y a quel rapport avec l'écologie, je ne sais pas. Euh, Nupes et compagnie. Que tous ces gens-là, ils venaient pour nous. Fournir du travail. C'est peut-être vrai pour une infime minorité, mais c'est faux pour l'immense majorité. Donc, moralité, c'est ce qui explique le déficit chronique que nous avons. Ce qui représente quand même, il faut le savoir, à peu près 25% des dépenses globales de la France. Quand on sait qu'il y a une autre grosse partie qui va pour le remboursement de la dette, ça donne une idée de ce qui se passe dans ce pays. Et si on étudie le budget d'une façon euh, euh, détaillée, hein, je vais vous le faire là en direct. Budget. Là, on va avoir une idée euh, assez amusante de la chose. Alors là, je peux vous donner des, des petits détails. Hein. Je vous donne les gros, les gros montants. Cohésion des territoires. Ah, ça c'est intéressant. C'est géré par le ministre de la Transition écologique. Et il y en a pour plus de 17 milliards. Voilà. Ensuite, vous avez défense. Défense, 49 milliards. Énorme. Écologie, développement et mobilité durable. On ne comprend pas très bien par rapport à l'autre que je vous ai donné tout à l'heure. C'est 21 milliards, presque plus. Hein, mais bon, si on reprend avec la cohésion des territoires, on est déjà à 40. Et enfin, engagement financier de l'État, c'est 44 milliards. Enseignement scolaire, 77 milliards. Je vous prends que les plus gros, toujours. Justice, 10 milliards. je, je... Plan de relance, on ne sait pas ce que c'est, 13 milliards. Recherche-enseignement, 29 milliards. À mettre donc avec l'enseignement. Hein. Remboursement et dégrèvement, et, et 130 milliards. Donc si on met bout à bout les dépenses de, de la dette, on n'est pas loin de 200 milliards. Alors dites-vous que sur un budget... De 577 milliards, vous avez plus de 300 milliards qui vont directement, directement à la poubelle hein, et qui ne produisent rien puisque ce sont soit pour financer l'accueil, soit pour financer la dette. Et ça, je suis étonné, pour ne pas dire stupéfait, que aucun aucun, je dis bien, aucun leader de l'opposition qui se dit de droite, et à partir du LR jusqu'à Reconquête, n'en parle. Parce que ça, c'est le vrai scandale. Ça, c'est ça qui tue la France. Il faut le savoir. C'est ça qui fera que dans quelques années, la France ne sera plus la France. Hein il faut le savoir. Et là, il y a l'OMERTA. Rien, personne ne dit rien. Il faut surtout pas faire peur à la ménagère, il ne faut surtout pas faire peur aux gens, et alors là, on ne dit rien. Alors très curieusement, le budget de la police, là-dedans, je cherche le budget de la police, parce que c'est intéressant, hein, de la sécurité quand même de savoir, et là, il n'est pas mis directement, hein, je le cherche, je ne le trouve pas, je vais vous dire franchement, je ne le trouve pas. Je ne le trouve pas. Alors on a aussi un petit budget. Euh, Investissement d'avenir, 7 milliards. On ne sait pas ce que c'est, mais on s'en fout. Euh, je n'ai pas, je n'ai pas, je dis bien je n'ai pas, je ne sais pas, je cherche, je cherche et je ne trouve pas. Ah, sécurité, 21 milliards. Voilà, sécurité, 21 milliards. On, a, on dépense un peu pour la sécurité dans un pays où, soi-disant, il n'y a pas de problème. Mais 21 milliards, c'est pas mal. Mais on est loin des fameux 300 milliards. Donc quand on regarde bien tout cela, on est dans un système très clairement, très très clairement, euh, gravissime. Hein. Et en plus, maintenant, on va subir la censure, hein, avec la délation et sans broncher. Je rappelle quand même qu'il vient d'être voté une loi au gouvernement européen, au niveau de l'Europe, une loi qui consiste finalement à pouvoir censurer qui on veut, quand on veut sous prétexte, bien entendu, de votre liberté d'expression. Parce qu'à chaque fois qu'ils font ça, c'est évidemment pour votre liberté. C'est-à-dire, on vous met une chape de plomb sur la tête et on vous dit, mais vous êtes plus libre. On se fout de nous. Voilà, il n'y a pas d'autre mot. Bon, je vais arrêter là parce que sinon je vais m'énerver. Mais on est bien dans le grand flou. Et ce grand flou est entretenu soigneusement. La preuve, c'est qu'on n'a même plus de statistiques du chômage mensuel qu'on avait toujours eu en France. Pourquoi Parce qu'il ne faut pas dire aux gens que, finalement, le chômage monte aussi. Alors, le chômage augmente, l'insécurité augmente, les impôts augmentent, les prix de l'énergie augmentent, le pouvoir d'achat, lui, y baisse. Donc, on en est là. Voilà. Et c'est quand même un drôle de pays. Allez, à bientôt, merci. Alors, évidemment, ceux qui partagent sont les bienvenus, ceux qui nous suivent aussi, etc., etc. Vous avez le droit de nous aider, hein c'est pas interdit, parce que nous, le drame qu'on a, c'est que personne ne nous donne un fifrelin. Voilà. Allez, à bientôt, au revoir